Contrairement à la pensée grecque, la Bible dit que la nature de l'humanité, à la fois physique et spirituelle, était bonne, mais que toutes deux étaient affectées par le péché. Le résultat final du péché est une nature souvent appelée chair dans les Écritures, quelque chose qui s'oppose à Dieu et recherche la satisfaction pécheresse. La chair est une loi intrinsèque de l'échec qui rend impossible à l'homme naturel de plaire à Dieu ou de le servir. C'est une force intérieure compulsive, héritée de la chute de l'homme, qui s'exprime par une rébellion générale et spécifique contre Dieu et sa justice. La chair ne peut jamais être réformée ou améliorée. Le seul espoir d'échapper à la loi de la chair est son exécution totale et son remplacement par une nouvelle vie dans le Seigneur Jésus-Christ.